Il est un devoir de croire que chacun des prophètes de Dieu est obligatoirement préservé contre la mécréance avant la prophétie et après. Les grands péchés avant la prophétie et après. Les petits péchés de bassesse avant la prophétie et après. La trahison avant la prophétie et après. Le mensonge avant la prophétie et après. La vulgarité, la bassesse de caractère et la lâcheté avant la prophétie et après. La stupidité avant la prophétie et après. Les maladies repoussantes comme l'éruption de vers de leur corps et la lèpre qui est un blanchiment de la peau d'aspect repoussant avant la prophétie et après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: Allah n'a envoyé aucun prophète qui n'ait un beau visage et une belle voix, et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. Ce hadith était rapporté par At-Tirmidhi. Que Allah Ta'ala élève les grades de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alameen.